La nana qui dit à tout le monde, venez, au bout de 10K, je me dessine. Wesh l'équipe, je tourne cette vidéo car Chata77, elle vient de répondre à la question sur son âge. En plus de ça, elle répond aux personnes qui parlent sur elle. Et vu les vidéos que j'ai faites sur elle, ben je pense que je suis dans le tas. J'ai bien sûr préparé toute ma vidéo et j'ai même écrit un texte pour éviter de dire n'importe quoi et d'aller trop loin dans mes mots. Bref l'équipe, on se voit juste après l'intro. Il me traite de carba ce PD. Ah oh, mais, hein, oui, oui. Bonjour, bah j'ai buzzé. Il n'existe pas. Askip, tu kiffes même plus. Askip, arrête et plus dans le truc. Faudrait que tu leur montres un peu comment on gère le truc. Wesh l'équipe, alors on vient de m'envoyer une vidéo de Chata77 qui répondrait justement à mes vidéos que j'ai faites sur elle. Rapport à son âge, comme quoi je dis qu'elle a 13 ans et vu que j'ai ressorti justement la carte d'identité qu'on m'a envoyée. Sur cette carte d'identité, c'était écrit 2007. Alex te parle d'un truc. Du truc. Bref, dans sa vidéo réponse, elle explique comme quoi elle a pas 13 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous disent, oui, t'es une 07. Etc. Non. Bah, c'est bien déjà, vous attendez. Il y a plus. Et comme. Regarde, l'exemple, elle est tout à fait. Vous croyez tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce que les gens disent, c'est bien, c'est félicitations à vous. Mais je tenais à dire que. En fait, pourquoi les gens me disent que je suis une 2007? Alors, c'est une assez longue histoire quand même. Raconte pas ta vie, fils de p. Donc, comme je vous ai dit, je sortais avec un gars qui s'appelait Nasco. Blablabla. Arrête là! Bref. Et un jour, bah, j'ai buzzé et. Les goubites! Les gens, c'est pas mon âge. Et pour que lui, il buzz. Il a dit que j'étais une 07. Donc les gens ont commencé à croire, les gens ont commencé à dire, les gens ont commencé à tout le temps dire ça. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, tu mens. Tout le temps dire que j'étais une 07, alors que c'est faux, je suis une 03. Ma bite! Il est un peu plus. Comment dire? Un peu plus vrai quand vous dites des trucs que dire que je suis une 07 en voyant ma tête, en voyant mon corps. Voilà. Bref. Où est ma bite? T'as une bouche ou pas? La bite! Encore, vous auriez dit j'étais une 04. J'aurais fait ok. Mais là, non. Du coup, voilà. Donc, ça sert à rien de faire des Photoshop de carte d'identité. Merci. Parce que, voilà. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens. Oh là, tu mens, frère. Et puis, vous n'êtes pas coréen. Vous n'êtes pas coréen. Mais c'est pas grave, vous me ramenez de l'importance. Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain! Mais c'est pas vrai! Tu vois, juste à sa façon de parler, sa façon de se tenir, etc., ça se voit qu'elle a 13 ans. Si la carte d'identité que j'ai sortie, elle est fausse. Pourquoi elle nous a pas sorti sa carte d'identité à elle? Parce que sur sa carte d'identité, elle peut très bien nous cacher son nom, son prénom et juste nous montrer sa date. Et même elle sait que c'est une 2007, elle essaye juste de se rattraper. Non, tu sais ma petite chata, dans cette histoire-là, on va dire que t'es pas la pire. Ah si, pour ton âge quand même un petit peu. Parce que moi, à 13 ans, je parlais pas de vite toute la journée, hein. Je faisais des loups dans le parc avec mes potes. À ce moment-là, nous, on avait que MSN et Skyrock et on faisait pas de trucs comme vous. Malheureusement, les plus jeunes, ils détruisent les plus jeunes et c'est les plus grands qui regardent les plus jeunes. Donc en gros, il y a tout le monde qui se détruit. Donc c'est pour ça que je vais pas dire que t'es la plus pire dans cette histoire-là, puisque des gens qui te regardent. C'est les personnes qui like tes publications sachant que t'as 13 ans. Tiens, fils de p. Le genre de fils de p. Il joue les fils de p. Pas les publications où c'est des photos de toi, ça je m'en bats les couilles. Moi je te parle les vidéos où justement tu parles de beat, etc. Et même tes sextapes. Ah ouais, tu vends carrément tes sextapes sur internet. C'est un truc de fou à 13 ans. Ils sont où les associations, les trucs comme ça? Il y a bien un truc derrière. Mais en fait, je viens de comprendre, c'est limite elle qui vous donne du buzz à tous. Okay. Bon, à moi aussi, forcément. Sauf que moi, je m'en sers pour la finir et pour montrer vos vrais visages. À vous et tous les influenceurs et les personnes de télé-réalité qui leur donnent de l'importance. Dans la vie de ma mère, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. Ah ouais, ça veut d'arrêter. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les personnes qu'on n'entend plus parler qui leur donnent de la visibilité. Ah ouais, Adrien, t'as beau te vanter de télé-réalité, nanani, nanana. Hey gros, réveille-toi. Ici, c'est les cités de France, Narvalo. La seule émission où on a le plus entendu parler de toi, c'était dans Garde à vous. Frère, arrête de faire le fou, je vais te mettre une patate, je vais te toucher. Sinon, la plupart du temps, voilà quoi. Je crache pas sur les gens de télé-réalité. Bien sûr, dedans, il y a plein de bonnes personnes. Je parle simplement de ceux qui retournent la tête des jeunes et qui leur donnent en plus de ça de la visibilité. Je parle aussi de ceux qui font twerker des meufs en live sans savoir leur âge. Donc dedans, il y a peut-être des mineurs. Je parle de ceux qui se mettent à 8 sur une personne parce qu'elle a mal posé le pot de ketchup. Alors ça, c'est dans vos émissions de télé, t'as vu. Je parle aussi de ceux et celles qui sont dénudés toute la journée et qu'il faut croire qu'il faut un corps de rêve ou être mannequin pour pouvoir exister.
parlé aussi de Kim Crow qui a insulté les personnes qui touchent les SMIC. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Vous faire plaisir de me voir pleurer, vous allez être contents. Ah ouais, de ouf. T'as vu cette pute, mais pardon ce mot là, mais t'as vu. Parle de ceux et celles qui défendent des animaux sur Snapchat, Instagram, etc. avec une grosse veste de fourrure, un putain de sac en peau de croco. Alors pour les meufs comme ça, franchement, j'ai pas de respect, c'est un truc de ouf. Tu défends la cause animale, mais avec une grosse fourrure sur le dos, toi t'as rien compris. La daronne de chatte de 50 ans, t'es Rubinix Sarah. Je parle aussi de ceux qui font du dropshipping et qui vendent du rêve à leurs abonnés tout en sachant qu'ils leur vendent de la merde. Je parle aussi des lives Instagram justement de Dylan Thierry qui ont été désactivés. Lui qui fait des lives sur la religion, il a pas le droit. Par contre, eux qui se dénudent en faisant des twerks, elles ont le droit. Le monde y tourne pas rond, c'est un truc de fou. La vérité, rassurez-moi, il n'y a pas que moi qui pense ça. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Allez, chez Moussa, il y a des pancakes. Bon l'équipe, je profite de ce petit moment de pause pour vous parler d'un petit truc. Enfin, je vais simplement demander aux gens de repartager cette vidéo sur leur chaîne. Car bien sûr, c'est une vidéo qui risque de pas plaire à YouTube, à Rubinicara, etc. Il y a beaucoup de vérité à l'intérieur et vous savez que la vérité déplaît. Donc si vous êtes comme moi et que vous voulez que la vérité soit écoutée aux yeux de tout le monde, n'hésitez pas à repartager cette vidéo sur votre chaîne. Vous la téléchargez directement et vous la remettez sur votre chaîne à vous. Encore merci à mon frérot Zokey qui repartage justement mes vidéos sur sa chaîne. Sa chaîne, elle est basée justement sur la retransmission des snaps, insta, etc. Donc grosse force à Zokey et grosse force à toutes les personnes qui vont repartager cette vidéo. Ensuite la Rubinique Taras, bref ça j'ai même pas envie d'en reparler. Je vais simplement parler des commentaires que j'ai pu voir sur quelques-unes de ses publications. Ah, franchement il y a des personnes qui ont commenté ces vidéos, je m'y attendais pas du tout. Bon Adrien tout ça maintenant c'est bon, je vous en ai déjà parlé dans la première partie. Et là tu vois j'ai vu des personnes qui ont commenté ses publications et franchement je m'y attendais pas des personnes là. Comme tu peux le voir, elle a mis une publication, donc je cache un petit peu parce qu'elle est assez dénudée. Mais on va regarder les commentaires encore une fois. Elle a mis « Je deviens lesbienne ». Donc déjà, elle joue sur une communauté, tu vois. Puisqu'on sait très bien qu'elle n'est pas lesbienne et que la meuf, elle parle de bite toute la journée. Donc... J'ai envie de sexe. Oh. Putain. Je te jure que si tu prends un jet, je ken avec toi dans le jet. Donc voilà, donc elle joue sur une communauté, donc elle se moque un petit peu quoi. Quelqu'un qui vient lui commenter, Adé Adrien, il lui a dit « Ok, alors viens avec ta nouvelle copine et on s'arrange. » C'est quoi ce genre de commentaire ? « Non mais Ruby, sois pas triste. » Ginor, non mais ça me déçoit la vérité. « Bastos, j'ai eu peur que tu t'en foutes partout. » Mais c'est quoi le délire là les gars ? Pourquoi vous leur donnez de l'importance ? « Ruby, que fais-tu ? » Et là, qu'est-ce qu'il commente lui encore ? « C'est pas ce que tu crois Ruby, je ne t'ai pas trompé. » Ouais mais les gars, ils ont faim. Ils ont faim, c'est un truc de ouf. La vie de ma mère. Oh, et combien de j'aime? J'ai envie de rigoler, tiens, attends. 32 000 j'aime, les gars. Franchement, ça me choque. Pour ça, franchement, ça me choque. En gros, je vous épargne la vidéo. Elle est en train d'expliquer comme quoi elle a trouvé un remède contre le stress et elle se malaxe les seins, en fait, tu vois. Comme quoi, ça la ferait déstresser. Dans les commentaires, on peut voir certaines personnes qui sont encore une fois, ben, on va dire validées, comme tu peux le voir, qui sont cotées. T'as un code promo? Donc carrément, ça demande un code promo devant des milliers de jeunes, t'as vu, presque des millions quoi, des millions de jeunes, excusez-moi. 90 000 j'aime pour ça, ouah les gars, non franchement, on tombe bas. Là, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression qu'il faut montrer son cul pour faire le buzz. Gros, là, si je me lève et je monte mes fesses, ça se trouve, la vidéo va faire plus de buzz. Ah ouais, imaginez, les haters, c'est des gens qui m'aiment pas, ils vont directement m'afficher. Avec des titres du genre Fico TV monte ses fesses en vidéo ou des sales trucs comme ça. En fait, la Chata 77 et la Rubinique Taras, c'est exactement ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils sont en train de foutre la merde, ils veulent juste du buzz en fait. Parle d'eux en bien ou en mal, ils s'en battent les couilles, c'est un truc de ouf. Je tombe sur ça, sur la nana qui dit à tout le monde, venez, au bout de 10K, je me dessape. Mais elle fait quoi la meuf en fait? Elle a pas de parents, elle a pas de famille, elle se croit toute seule au monde celle-là. Ouais, bah après Pascal, elle est un peu... Elle est déjantée. Non mais franchement, tu te rends compte que elle demande aux gens d'être là pour être... Nu. En plus, c'est extraordinaire, t'as 36 000 personnes qui te suivent, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Mais le problème, Pascal, je vais te dire un truc. Moi, j'ai rien contre elle, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut. Mais je me dis, pense à tes parents, tu peux pas t'afficher comme ça. Que tu fasses le pitre de trucs le foufou, que tu chantes dans des tambours de machine à laver, ok. Tu vois. Mais que tu. Pascal, je suis d'accord avec toi, mais à 1000%. Mais le problème, Pascal, c'est que là, Ruby, elle est pas humain. Genre, c'est pas. Tu vois, c'est une autre personne. Donc, je sais pas, je la comprends pas, moi. Moi, je la critique pas. Déjà, moi, je parle pas mal d'elle, tu vois, jamais. Je vais jamais parler d'elle. Elle se permet de mal parler. Elle parle racaille, alors qu'elle est loin d'être de notre quartier, déjà. Ça, je lui ai déjà dit ça.
tu vois. Donc je joue pas ta meuf de quartier si t'habites pas un quartier. Et en plus, les meufs de quartier, elles font pas ça, se mettent pas à walp devant tout le monde, tu vois, elles font pas les carbas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je l'aime. Voilà. J'ai des petits mots arabes aussi, je... Il a dit, il me traite de carba, ce PD. Ah, oh, mais, hé, Ruby. Enculé. Arrête, Ruby. Ruby, arrête. Ne prends pas. Non, mais je veux pas rentrer dans son truc. Ne prends pas à la lettre ce que je dis. Je dis simplement, Ruby, écoute, juste respecte-toi un tout petit peu. Ne te mets pas à poil. Que tu fasses, tu fais, tu chantes, etc. Je trouve ça, c'est génial. Mais ne te mets pas, s'il te plaît, ne te mets pas à poil en demandant aux gens de venir avec 30K, 40K, tous les 10K, je sais pas quoi. 10K, d'ailleurs, il y a K dedans. Donc, je. Qui est un K, tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu de mots. Mais ouais, j'ai dit ce mot effectivement en arabe. Mais non, mais vois, c'est l'attitude. Regarde, moi, on peut me dire arrête d'avoir une attitude de golemon alors que je ne suis pas, tout simplement. C'est ouais, possible. Mais là, se mettre, tu vois, retirer les fringues. Moi, tu vois, Pascal, je vais dire un truc, je la crois pas. C'est pour ça que je la laisse parce que je sais qu'elle le fera pas. Même si elle se persuade, je sais qu'au final, elle le fera pas, tu vois. Non, mais tant mieux, si elle le fait pas, tant mieux. C'est-à-dire qu'elle se respecte un petit peu, tu vois. Je sais jamais avec elle, tu vois. Mais. Bref l'équipe, comme je l'ai dit dans la première partie, je pourrais faire des vidéos d'une heure à leur sujet, ça changera rien. Bon, j'espère vraiment que ces petites vidéos justement changent certains avis de petits ados qui regardent mes vidéos. Justement leur prouver qu'il y a d'autres moyens de faire le buzz que de faire le buzz comme ça. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un mauvais buzz et ils sont en train de niquer leur propre image. Car ça va pas durer longtemps, donc plus tard quand ils vont vouloir chercher du taf, ça va être assez la merde. Donc s'il vous plaît les jeunes, prenez pas exemple sur ce genre de phénomène. C'est simplement des cassos 2.0, c'est tout. Les mêmes avant internet, maintenant on les a sur internet. Vous le savez, ceux-là ils sont à la lumière, mais il y a des millions de personnes comme ça. Mais bon, j'ai l'impression que justement, plus c'est crade, plus ça attire les gens. Salut. Bonjour Ruby. Bonjour, alors du coup ça te fait du bien de parler sur moi? Ah, tu commences? Oui, j'adore parler sur toi, tu sais très bien que tu es une attraction. Pour moi tu es un Disney ma chérie. C'est tout ce que t'as dit. C'est tout ce que t'as dit. Reine des putes ma chérie, reine des putes. Oh là là, waouh, tu sais insulter. Waouh, ouais. C'est bon, t'as fini avec ta voix de Disney, là, tu la voles à qui, à Mickey, à Louis. Retourne sur tes sites de cul avec les gens dans les scores. Au lieu de dire, non, mais casse les couilles à moi. Tu fais que insulter, tu n'as aucun argument. Tu es ridicule. Ruby, you are ridicule. You are so ridiculous. Ma chérie, Miskina, arrête-toi. Ça sert à rien, tu n'as aucun argument. Tu n'as aucun argument. Tu es venu ici pour m'embrouiller. Ça fait des semaines que je me fous de ta gueule. Ça fait une semaine que je me fous de ta gueule. Qu'est-ce que t'as? Oui, exact. Reine des salopes. Je suis une reine des salopes. Et alors, ma chérie, c'est dommage. Toi, pourquoi, ma chérie, tu fais la conne pour qu'on s'intéresse à toi? Tu es obligée de faire la conne pour qu'on s'intéresse à toi. C'est pitoyable, ma chérie. Parce que je suis pas une bête. Tu n'existes pas. S'il te plaît. Attends, tu as dit quoi? Sinon, c'est la fin de la vidéo. Si t'as envie de mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as envie de mettre un petit commentaire, n'hésite pas à le mettre. Ça va jouer beaucoup pour le référencement de la vidéo. Bah, sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci encore à toutes les personnes qui partageront cette vidéo. Et surtout ceux qui mettront un pouce bleu et un commentaire pour soutenir. Arrête de vous rendre fou, l'équipe. Peace, les gang. T'es choqué au fond, en fait, on parle pas trop dans les jazz. On reste en bref. Ils font pour faire parler d'eux. Nous, c'est pour prendre bien plus que le double. T'inquiète pas, j'arrive en deux. Gros, c'est le début, mais on rajoute une couche. Ils font pour faire parler d'eux, nous, c'est pour prendre bien plus que le double. Y'a rien de méchant, c'est le refourbex. Toute sorte de queue crue à refourguer. N'oubliez pas de payer vos dettes, sans qu'on soit obligé de vous demander. Y'a rien de méchant, on voit tu stresses.